Sujet. Racontez un des moments importants de votre vie. Suivez scrupuleusement le fil rouge de votre histoire. Employez les temps qui conviennent, ainsi qu'un vocabulaire riche et fouillé. Oh là 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 là. Par un beau jour de printemps, toute la classe parta. Non, partie. Le bus léger et le cœur au quart de tour. L'air sentait le frais. La maîtresse en tête, nous voilà tous sur la place du bourg, devant les portes d'un merveilleux. Non. Superbe. Somptueux. Elle veut du vocabulaire, je vais lui en donner. C'était en effet le grand jour de la sortie scolaire. C'est bon, chauffeur, on peut y aller, attendez. C'est parti. Ou sept, c'est une
maîtresse. Maîtresse, où êtes-vous? Maîtresse, où êtes-vous? Où êtes-vous? Je suivais un guide parlant une langue qui m'était inconnue. À la couche de l'opoco, que c'est que la au polo, que c'est que la capoco, c'est que les oubliettes. Soudain, le hasard me prête une trappe d'où sortait, une fois ouverte, le léger balancement d'un trois temps. Je laisse filer mon oreille le long de mon fil pour écouter de plus près. Juste après la guerre, dans un petit bar qui avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les grands boys, ils dansaient dans ce petit bar qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Segments pour qu'on trace les diagonales de façon à ce que le cosinus bijectif reçoive la racine.
point du dessus et que la matrice biconvexe et orthogonale devienne systémique et exponentielle par rapport à la convergente. Je dis ! Du coup, on n'a pas discuté. On s'est mis au boulot. Non, pas vieux. Disons plutôt